been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de février. Haul colo. Merci Bella pour les griffes. Alors il y a quelques petites choses. J'ai continué de. Bella, ça va aller? T'es si énervée que ça? J'ai continué de compléter mes polychromos. Donc là, je me suis pris le 119, le 118, le 117, le 128, le 123, le 159, le 161, le 166, le 268 et le 170. C'était encore avec la promo chez Cultura. 4 plus 1 gratuit. Là j'ai vu s'il n'y est plus, mais bon, je pense que je vais me les compléter quand même. Je pense que je vais me prendre ce qui me reste et puis voilà, j'aurai une gamme complète. Poly, voilà. Donc. Ensuite, je sais pas si je vous l'avais montré, mais sur Ali je m'étais pris une petite plume en verre. Plus du tout si je vous l'avais montré, donc c'est pour ça que je vous la remontre. Je m'étais pris une petite plume en verre et avec vous avez le petit support pour la poser. Mais bon, voilà. Clairement, je ne suis pas servie. Voilà. Avec, oui, ils vous fournissent des encres. Alors, je sais que j'ai la. Ça, c'est la verte, je pense. Ça m'a l'air d'être vert ou bleu, je sais pas trop. Il n'y a rien écrit, il n'y a pas de couleur. Là, ça a l'air d'être de la rouge-rose, je sais pas trop. Je m'en suis pas encore servi ça, des encres qui sont avec. Je sais pas si vous voyez. Celle-ci, on voit pas grand-chose, c'est peut-être bleu. Mais alors, celle-ci, elle est comme. Hop là, celle-là, elle m'a l'air violette. Je sais pas s'il y a des nacres ou pas dedans. On dirait dans la rouge qu'il y a des nacres, mais je sais pas. Faudrait que je teste, que je les swatch. Je sais pas du tout. Ouais, celle-là elle est fait bleue, celle-là elle fait rouge et celle-là elle a l'air d'être violette. Donc, je verrai bien. Pour l'instant j'ai juste utilisé avec mes encres Winsor & Newton. J'ai utilisé dans mon colo Dragon Kirby que vous n'avez encore pas vu normalement. Ça dépendra comment, dans quel ordre j'ai mis les vidéos. Bon, je sais même pas pourquoi je vais remettre ça. C'est très bien comme ça, ça suffit. Hop, voilà. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, sur Ali. Ensuite, je me suis commandé sur Amazon parce que je le trouvais pas à Cultura, je le voyais pas à la Fnac, je le voyais pas à Géant, je le voyais pas au Champ, enfin voilà, il était nulle part et il m'obsédait. Donc je me le suis pris sur Amazon, voilà. Donc l'histoire éternelle chez Hachette Rose, voilà, il m'obsédait, voilà. Et bilan, je n'ai toujours pas colorié dedans, hein, mais il m'obsédait, je ne pensais qu'à lui jour et nuit. Donc voilà, j'ai fini par l'acheter et ça y est. Toujours pas commencé le méchant, hein, mais bon. Parce que, oui, je l'ai déjà vu fait, il est beau celui-là. Donc voilà. Un nouveau dans la collection. Ensuite, j'avais passé une petite commande craftelier. Avec ce qui restait de solde, en fait, mais il restait pas grand-chose. Donc je me suis pris le Glossy Accent. Voilà, parce qu'il est moins cher il me semble sur Craftelier que sur Amazon. Donc voilà, Glossy Accent. Et je me suis pris quelques stickles, hein, mes premiers stickles, parce que j'en ai pas du tout de, voilà, j'ai que ceux de Action là. Donc je me suis pris le, normalement il y a les noms dessus, Mermaid Tail. Très joli. J'ai toujours pas fait mon ancien non plus. Je me suis pris le Fissol.
qu'on a encore une luminosité de fifou aujourd'hui. Hein. Voilà. Le green. Le glam pink. T'as les paillettes bleues à l'intérieur. Et le cristal. J'en avais commandé un autre, mais ils m'ont remboursé parce que finalement, ils ne l'avaient pas en stock. Voilà. Donc, j'ai pris les derniers qui restaient en soldé, en fait. Donc, voilà pour ma petite commande craftelier. Ensuite, voilà, je suis allée à Action avant de rentrer. Là, je me suis pris une petite perforatrice parce que j'aimerais bien me faire un petit classeur combo avec les combos d'Oana et de Mademoiselle Disneyland, donc j'aimerais bien me les imprimer et me les mettre dans un petit classeur. J'ai déjà acheté un petit classeur, A5, donc voilà, essayer de me faire ce petit truc là. Et après j'aimerais bien sur la, parce que Mademoiselle Disneyland la propose vierge, ces feuilles de combo, on a possibilité de l'avoir vierge, donc je voudrais essayer de trouver une alternative au Brutfeneur. À Action, je me suis aussi pris des aquamarqueurs, donc j'ai vu qu'ils les faisaient comme ça maintenant aussi. Là il y en a un dans, oui, il manque, je vais en avoir deux, et là il y en a juste un que j'ai pas, je crois. Enfin, c'est ça, de toute façon, quand on essaye de compléter, on a masse de double. Mais bon, mon fils il s'en sert, donc c'est pas grave, ma fille viendra à la suite. J'ai pris différents packs, j'ai pris celui-ci. Là, il reste les doubles et les boîtes encore. Faut que j'enlève les boîtes, que j'enlève les doubles aussi et que je les mette dans ses affaires à lui. J'ai pris celle-ci aussi. Mais elles n'étaient pas toutes dispo. Il me manque celui avec la voiture. Je crois qu'il y en a un avec une voiture, à ce que j'ai cru voir. Et celui-ci. Il devrait faire pour les autres, comme les autres collections, mettre le nombre de packs disponibles. Comme ça, on sait à peu près où on en est. Mais voilà, j'ai pris ceci pour compléter mes aquamarqueurs. Je suis encore loin d'avoir fini, on s'en va. Mon nuancier. Ah, on est proche en fait. Voilà. Donc voilà mon nuancier. Donc je suis encore loin d'avoir fini. Mais bon. Parce que j'aime vraiment bien les utiliser, quoi. Sinon, je me suis pris un petit Christine Caron. Voilà, sur Amazon. Parce qu'il fallait que j'arrive à 25€, je crois, pour avoir les frais de port gratuits, je crois. Donc voilà, je me suis pris un petit Christine Caron. J'hésitais entre plusieurs. Et j'ai pris celui-ci, de toute façon ils sont tous dans ma wishlist, donc voilà. Même si j'aime pas le papier Amazon, je vais les scanner et puis j'essaierai quand même, mais pas avec les Brutfeneur je pense, plus parce que, ouais. C'est peut-être parce que c'est le Grayscale qui fait ça. C'est peut-être... Bah, j'ai vu que Melissa Hart a eu le même souci que moi dans le Elegant Beauties d'Alena Lazareva, il me semble que c'est ça. Elle a eu le même souci que moi au niveau des couleurs qui se mélangeaient mal. Enfin, ça fait tout de suite gris dès que tu blendes à cause du grayscale. Donc, je ne sais pas si ça fait pareil dans ces livres-là ou pas. Si vous les avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme crayon de couleur dedans, si vous êtes gêné ou pas. Parce que j'ai vraiment eu une mauvaise expérience avec l'Elegant Beauties. Voilà, j'avais essayé de faire avec mes Brutfeneur et bah, ça m'a fait des couleurs un peu spéciales. Donc je pense que je vais quand même me les scanner, mais me les mettre sur du bon papier, je pense. Bon, un de plus dans ma petite collection de Christine Caron. Et hier, j'ai reçu le Mythomorphia de Kirby Rosan aux éditions polonaises. Parce que bah, j'ai déjà ce livre, mais je l'ai aux éditions Plume. Voilà, et dans mon édition Plume, je vais essayer de ne pas vous spoiler mon colo, moi. J'ai les pages qui, je ne sais pas si je les ai scotchées là, mais j'ai les pages qui se détachent toutes seules au niveau de la... Enfin, voilà, ça se détache, c'est comme si c'était un format découpable en fait. Non.
Bah, je peux pas vous montrer parce que je les ai déjà enlevés. Je suis en train d'essayer de recoller dans celui-ci. Le souci, c'est que le polonais est un poil plus petit que le plume. Donc je dois couper mon colo un petit peu, voilà, sur le haut et sur le côté, voilà. Parce que voilà, je vais pas vouloir les refaire. Donc je vais bah, de toute façon ils se détachent tout seuls, donc je les détache, je coupe ce qu'il faut couper pour que ce soit la bonne dimension et puis je remets dedans. C'est ce que j'ai fait avec, mais bon, je l'ai fait hier soir et je suis embêtée. Ils font plus les souris-colles à action, je suis deg. Jamais trop. Du coup, bah, j'ai recollé dans celui-ci avec de la colle action, pareil, mais c'est pas, ça rend pas de ouf. Hein. Mais bon. Parce que j'ai pas envie de me retaper ça, quoi, clairement. Oh, donc je vais continuer à bah, coller les dernières. J'ai encore deux doubles pages de fait. J'ai ma licorne que je vous ai montré, voilà, j'ai encore celle-ci donc du coup à détacher et à recoller. Et mon dernier, ah non, j'ai aussi celui-ci aussi, ouais, j'ai encore celui-ci aussi à décoller, à coller, à découper et coller. Et j'ai mon petit dragon, voilà, que vous verrez dans les colos terminés du mois de février. Je sais pas trop quand, je l'ai pas encore tourné, donc et ben non, je la tournerai pas maintenant de toute manière, vu que j'en ai deux que deux, vous allez la voir fin mars cette vidéo. Donc non, je vous le montre pas. Donc voilà pour mes achats colo pour le mois de février. Mais voilà, je voulais tellement me le reprendre parce que je soufflais à chaque fois que j'étais dans mon mytho plume. Franchement, une plaie de... Me plaît. Et vous voyez, le papier, il n'est pas aussi blanc que la version polonaise. Là, il est bien blanc dans celui-ci. Et le papier est vraiment de meilleure qualité. Là, c'est vraiment pas... C'est pas ouf. Enfin, moi, j'aime pas. J'aime pas. Il m'a dégoûté, ce bouquin, de voir les... Vous voyez ça... Ah non, vous voyez rien. Il se détache tout seul, regardez. C'est... C'est une aberration. C'est à croire que c'est un livre détachable. Regardez. Je sais pas si c'est une version spéciale que j'ai, mais enfin voilà, moi ça se détache comme ça. À chaque fois que tu fais un colo, ça se détache. Donc je passais mon temps à mettre du scotch, voilà, une fois qu'il était fini, mais je trouve ça pas cool, quoi. Bon bah du coup il est détaché. J'ai plus qu'à découper un petit peu. Je sais pas sur quoi. Je pense que je vais découper en haut de toute façon. Et de ce côté là. Parce que c'est là qu'il y avait la... On n'arrive jamais à bien colorier jusqu'au bout. Donc je vais découper en haut et là, et puis on va le recoller. Mais par contre, ouais, je suis embêtée. Je voulais coller avec la souris. C'était plus net, plus propre. Plus... Mais il n'y en a plus à action. Ça me fait chier. Voilà. Donc voilà pour mon haul du mois de février. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Let me back to you.